Rebecca, you are cool. Your face keep on. Life is the darkness, my God. Where is who you are? Rebecca, Rebecca, miracle worker. Promise keeper, light in the darkness, my God. Where is who you are? Je dis tu es le seul qui mérite la gloire. Quand je regarde à ma vie où tu m'as pris, Jésus, tu es le seul qui mérite. Je dis tu es le seul, tu es le seul. Jésus, tu es le seul qui mérite la gloire. Qui me connaît mieux que toi? Hey, 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 hey. Tu es le seul qui mérite la gloire. Je dis tu es le seul, tu es le seul.
Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est bon. Il est bon. Notre Dieu est bon. Le Dieu de la cité de célébration est un bon Dieu. Alléluia. Assieds-toi, assieds-toi. Papa, je me prosterne devant toi pour reconnaître ta grâce, pour reconnaître l'esprit de ton serviteur et de ta servante sur ma vie. Père, je prie que le ministère, en communion avec l'Esprit, se meut devant ton peuple maintenant. Père, libère ta parole, car je suis un vase disponible. Merci Seigneur, parce que tu es capable de faire au-delà de ce que nous t'avons demandé. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Très rapidement, lève-toi avec ta Bible. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ce moment qu'il a permis que nous puissions être en ce lieu. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par son esprit. Nous prions que l'esprit ministériel nous enseigne encore ce soir et que nous soyons tous et demeurons tous les enfants d'une même famille. Je veux entendre quelqu'un dire Amen. Alléluia. Nous continuons sur la pensée du leader, l'intimité avec le Saint-Esprit. 24 choses pour connaître l'intimité avec le Saint-Esprit. Va Jean 14. Jean 14, verset 16 au verset 21. Et nous allons terminer avec le verset 26. Tu as la page 1, 2, 3, go. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne voit point, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 26. 1, 2, 3, go. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Acclame le Seigneur à ta séance. Nous continuons, je le disais, dans la pensée du leader qui est l'intimité avec le Saint-Esprit. Lorsque nous jetons un regard sur les trois personnes de la Trinité, nous pouvons croire sans risque de nous tromper qu'à l'ère de l'Ancien Testament, le Père était la personne la plus prééminente. Et pendant son séjour sur terre, Jésus, le Fils, était le plus prééminent. Et aujourd'hui, à l'ère de l'Église,
Nous osons croire que c'est le Saint-Esprit qui est le plus prééminent. Qu'est-ce que je veux que nous puissions retenir? C'est ce que papa nous a longtemps enseigné. Et c'est ce que la Bible dit. Jésus, avant de partir, avant son départ, nous a laissé une promesse. Et pas n'importe quelle promesse, une promesse efficace. De la même manière qu'il a laissé à ses disciples, nous sommes également des disciples. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il ajoute l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il ajoute, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai. Bien-aimé, quelle promesse merveilleuse. Jésus a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. Il part, mais nous ne sommes pas des orphelins. Pourquoi nous ne sommes pas des orphelins? Le Saint-Esprit est venu pour remplacer ou pour combler le vide que le départ de Jésus a laissé. C'est pour cela qu'il a appelé le consolateur, un autre consolateur, un second consolateur, un second défenseur, un second avocat. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Il est venu combler le vide que le départ de Jésus a laissé. Maintenant, il est consolateur pour qui? Il est défenseur pour qui? Il est avocat pour qui? Pour toute personne qui crée avec lui une amitié, une intimité. Le Saint-Esprit est même capable de se révéler dans la puissance lorsqu'il s'agit de l'intimité et dans la mission. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais il y aura un autre consolateur qui viendra. C'est cet esprit de vérité-là. Il dit, encore un peu de temps. Et le monde ne va plus me voir. Mais vous, vous allez me voir. Parce que je vis. Et vous vivriez aussi. Toute personne qui est dans l'intimité avec le Saint-Esprit, Jésus se meut à l'intérieur de la personne. Toute personne qui communue, qui crée une amitié sincère avec le Saint-Esprit, Jésus dit, je suis dans la personne. Je ne suis pas dans la personne. Comme ceux du monde avaient la pensée de Thomas. Pour eux, ils voulaient voir Jésus. Ils voulaient toucher Jésus. C'était leur pensée. Mais Jésus dit, pour vous, vous savez que le Saint-Esprit à l'intérieur de vous là, qui crie Abba Père, est en train de vous faire comprendre que je suis à l'intérieur de vous. Ce Saint-Esprit qui crie Abba Père
est en train de vous donner un signal de ma présence permanente. Bien-aimé, l'intimité avec le Saint-Esprit signifie en d'autres termes que Jésus n'est même plus parti. Parce que dans cette relation, si Jésus dit que le consolateur, un autre consolateur viendra, et que ce consolateur va remplacer valablement le vide que lui il a laissé, ça veut dire que Jésus est présent. Il n'est pas parti. Bien aimé, beaucoup le considèrent très loin. C'est pour cela qu'ils font un genre de prière là. Mais quand tu sais qu'il a été le premier consolateur et que c'est lui qui a envoyé le second et que entre les deux il n'y a pas division, il n'y a pas séparation, il n'y a pas antagonisme, tu comprends que quand tu marches, c'est lui qui est en train de marcher. Quand tu te couches, c'est lui qui est couché. Quand tu parles, c'est lui qui parle. Et en ce moment, tu comprendras exactement ce que lui désire faire avec toi. Le Père disait l'autre jour, parlant de l'intimité, il disait le mot intimité en grec veut dire sceau, qui signifie une conversation amicale, qui signifie encore une conversation secrète, une conversation familiale, qui signifie encore une amitié. En d'autres termes, si je dois appeler une personne mon intime, la personne-là doit connaître la profondeur de mon cœur. Si tu dois appeler une personne ton intime, la personne-là doit connaître ta pensée profonde. Même du regard, la personne doit savoir ce que tu as besoin. Même si tu fais un faux pas, la personne doit savoir pourquoi tu as fait le faux pas. Écoute-moi bien. Si je dois bénéficier des expériences d'une personne, l'unique chose que je dois faire, c'est d'aller vers la personne et d'être son intime. Si tu sais que là où tu es assis, tu as un manquement et que quelqu'un a quelque chose que tu as envie, que tu convoites, dans la sainteté, il vaut mieux t'asseoir au pied de la personne et apprendre. Si je dois t'appeler mon intime, cela veut tout simplement dire que tu es capable de connaître mes hauts et mes bas, mes échecs et mes réussites. Si je dois t'appeler mon intime, ça veut dire que la pensée de mon cœur doit être dans ton cœur. C'est ça l'intimité. Et c'est ce que le Saint-Esprit désire que nous puissions être pour lui. En tant que défenseur, en tant qu'avocat, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Il est là pour nous défendre. Écoute-moi
écoute-moi bien, je vais te surprendre. L'intimité avec le Saint-Esprit veut tout simplement dire que le Saint-Esprit peut appliquer sa volonté sur toi. Est-ce que tu es là? Le Saint-Esprit a une volonté. Et sa volonté doit être ta volonté. 1 Corinthiens 12, 11. Être intime avec le Saint-Esprit. Manifester la relation d'intimité avec lui. Signifie que les mêmes sentiments que le Saint-Esprit éprouve. Tu dois éprouver les mêmes sentiments. Éphésiens 4, verset 30. Être dans l'intimité avec le Saint-Esprit signifie que c'est le Saint-Esprit qui te guide. C'est lui qui te donne la direction. Tu ne marches pas n'importe comment. C'est le Saint-Esprit là qui t'oriente. C'est lui qui te montre le chemin. Romains 8, verset 16. Être dans l'intimité avec le Saint-Esprit signifie que le Saint-Esprit parle avec moi. Il communique avec moi. Il y a un dialogue entre le Saint-Esprit et moi. Acte 13, verset 2. Le dialogue là est permanent. Le dialogue là est là au quotidien. Être ami avec le Saint-Esprit signifie que le Saint-Esprit parle au travers de ma personne. Et c'est là où il intervient dans la prophétie. Acte 1, 16. Il parle au travers de ma personne. Ça veut dire que lorsqu'il a besoin de s'exprimer, c'est moi qui l'utilise. C'est ce que je veux dire en d'autres termes. Il m'utilise parce qu'il a besoin de s'exprimer. Être ami avec le Saint-Esprit signifie que tu dois savoir que c'est un Saint-Esprit de miracle. Acte 19, 16. Il est là, il est capable de faire les miracles avec toi. Il est capable d'opérer les miracles avec toi. C'est ça la chose que tu dois comprendre quand tu es lié à lui. Dans cette relation, tu dois savoir que les miracles sont possibles. Être ami avec le Saint-Esprit. Communier avec le Saint-Esprit. Partager avec lui. Signifie qu'il va te révéler une autre façon de comprendre la parole de Dieu. Quand tu lis cette parole, le Saint-Esprit a cette capacité d'ouvrir ton entendement et de te faire comprendre cette parole dans sa profondeur. Jean 16, verset 13. Il a cette capacité d'ouvrir ta pensée et d'y mettre sa pensée à lui. C'est ça l'amitié avec le Saint-Esprit. Être ami avec le Saint-Esprit signifie que le Saint-Esprit est capable de produire en toi le fruit de l'Esprit de Galates 5, 22 et 23. C'est lui le Saint-Esprit qui fait le travail à l'intérieur de toi. Tu ne le fais pas parce que tu mérites ou parce que tu es trop bon. Mais c'est lui habitant à l'intérieur de toi. C'est lui qui ouvre les portes afin que tu comprennes que cette voie-ci paraît juste, mais son issue mène à la mort. Écoute-moi, le Saint-Esprit dans cette amitié est même capable de donner la vie à ton corps mortel. Romains 8, verset 11. Il est capable de donner la vie à ton corps mortel. C'est lui qui fait le travail là. Il a cette capacité. Mais dans la communion, dans l'amitié. Bien-aimé, l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est l'intimité avec la Trinité.
Tu ne marches plus parce qu'il faut marcher. Tu ne te lèves plus parce qu'il faut te lever. Tu ne parles plus parce qu'il faut parler. Mais tu parles lorsque lui, le Saint-Esprit, dit parle. Tu ne suis pas les gens parce qu'il faut suivre. Parce que tout le monde allait dans la même direction. Alors je suis aussi. Je veux me conformer à cela. Pour qu'on ne dise pas que je suis à marge. Non. Est-ce que ton ami intime de Saint-Esprit, tu lui as posé la question si tu dois le suivre? Est-ce que tu as interrogé le Saint-Esprit à l'intérieur de toi? S'il désire réellement que tu ailles dans ce mariage, l'as-tu interrogé pour savoir si tu dois vraiment voyager? Bien aimé, quand ce sont les choses qui frissonnent notre chair, on pousse le Saint-Esprit avec le pire, il est à côté, on ne veut même plus. Parce qu'il peut dire le contraire de ce que nous voulons. On le balance du pied. Mais il est là. Jésus dit, et moi je prierai le Père. Et vous enverrez un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement. Bien aimé, le Saint-Esprit va venir pour partir. Il n'est pas venu pour t'abandonner après. Jésus dit, il est venu pour demeurer. Il est venu pour s'établir. Le trône du Saint-Esprit, c'est à l'intérieur de ton corps. C'est là-bas qu'il siège. Et à partir du trône, il commence à te donner la direction, les ordres. Il commence à te dire, fais ci, fais ça, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Quand il est déjà établi à l'intérieur de toi, il n'est pas venu pour partir. Écoute-moi, le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu as fait quelque chose de juste ou de bien aux yeux de Dieu. Et maintenant, quand tu fais quelque chose qui l'attriste, il part. Non. S'il part, ça veut dire qu'il n'a jamais été là. Quand il vient, il s'établit. Et maintenant, quand tu es sur la bonne voie, tu commences à entendre comment il tressaillit à l'intérieur de toi, comme un bébé dans le ventre de sa mère. Il tressaillit de joie. Parce que tu viens de faire quelque chose d'honnête, d'honorable, qui lui donne envie de dire quelque chose de joyeux. Mais quand tu fais aussi quelque chose qui ne va pas, à l'intérieur de toi, tu le sens attristé. Tu sens que tu n'as pas de paix. Le père disait ici l'autre jour, après la conférence, avant le prophète Acha, il y a eu de très bonnes choses. Dieu était présent, mais je n'avais pas la paix. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu a la paix et le Saint-Esprit n'a pas de paix, il peut avoir un point d'interrogation. Ce qu'il ressent, c'est ce que tu dois ressentir. Parce qu'il a envie de faire quelque chose au travers de toi. Il dit, je n'avais pas de paix. Pas parce que la conférence était mauvaise. Pas parce que Dieu n'a pas parlé. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Et dans le calme, le Saint-Esprit lui a révélé ce qu'il fallait faire. Et il a rectifié le tir. C'est ça la communion avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, plusieurs d'entre nous sont prompts à donner gloire au problème, à donner gloire même au diable, à donner gloire aux circonstances.
Dieu d'entre nous. On l'a dit, le diable s'est levé très fort. Si j'ai échoué, c'est parce que cette fois-ci, ils ont non seulement honte de dire que le diable a dépassé Dieu dans leur vie, parce qu'il y a eu échec. Écoute-moi bien. Est-ce que dans la famille des chats, pas Sam, on peut odorer, dans la famille des chats, on peut honorer la souris? Dans la famille des poules, on peut honorer le cancrela? C'est ce que nous sommes en train de faire au quotidien. Mais ce soir, je suis venu, il y a une personne. Et il y a un invité spécial à l'intérieur de toi qui désire que tu fasses sa publicité. Laisse tes problèmes, laisse tes cafards tranquilles, laisse les souris tranquilles, laisse tes problèmes tranquilles. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi désire que tu fasses sa publicité. Sois son agent publicitaire. Parle au quotidien. Dis-lui des bonnes choses. Parle. Il a besoin. Tu es son agent publicitaire. Laisse les autres choses. Elles ne sont pas importantes pour toi. Écoute-moi, l'intimité avec le Saint-Esprit ne signifie pas qu'il n'y a pas d'obstacles. Ne signifie pas qu'il n'y aura pas de problème. Ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'échec. De la même manière que la foi ne veut pas dire que tout est bon. L'intimité avec lui ne veut pas dire que tout va bien. Mais écoute-moi bien, dans ces problèmes, dans ces obstacles, dans ces difficultés, une fois que tu te confies à lui, une fois que tu viens avec cette parole douce de reconnaissance, d'amitié sincère avec lui, il est capable de te faire surmonter ces obstacles. Il est capable de te mettre à côté et de combattre à ta place. La foi veut dire que tout est possible, mais il y aura les problèmes. L'intimité avec le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est possible, mais il y aura les problèmes. Dis à haute voix, il y aura les problèmes. Il y en aura. Tu ne désires plus avoir les problèmes, tu meurs honte en tête, tu n'auras plus de problèmes. Une fois que tu es enterré, les problèmes sont finis. Mais aussi longtemps que tu portes cette chair, cause-moi avec Dieu face à face, il y aura les problèmes. Mais le bon côté de la causerie avec lui, c'est qu'il lui-même va prendre soin. Il dit, le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y aura malheur. Tu vas croire que le Saint-Esprit n'est pas présent. Il est là. Il connaît même le malheur avant toi. Mais il prendra soin de toi. Je veux ce soir que quelqu'un se révolte dans son amour propre. Je ne sais pas à qui le Saint-Esprit a parlé ce soir. Écoute-moi, tes problèmes ne peuvent pas te tuer. Ce qui t'arrive, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Et Dieu, il sait, il va te donner la force capable pour surmonter cela. Non, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que c'est toi. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Non, lui, il a sa part. Chacun a sa part. Alléluia. Ce soir, quelqu'un doit avoir une sainte révolte dans son intérieur pour parler au Saint-Esprit. Lève-toi.
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Veux-tu être un bon adorateur, inondé par la présence surnaturelle du Saint-Esprit, vivre une vie chrétienne épanouie, être sensible à la présence du Saint-Esprit? Alors, joins-toi au pasteur Charlie Kemetia pour 90 jours de jeûne et de prière intense qui débuteront du 10 juin au 6 septembre 2018 sous le thème « Fais-moi voir Jésus » tiré du livre de Jean 12 au verset 21. Ainsi, pour t'accompagner dans cette mouvance spirituelle, le pasteur Charlie Kemetia t'invite à rester connecté tous les soirs à la LWC TV dès 19h pour plus d'enseignements et de bénédictions. Shalom.